Aujourd'hui, on part sur un workout Atom full body. Alors, pour ce full body, on va faire un échauffement de 2 minutes à peu près, 2-3 minutes, et on va faire une série de 13 mouvements et une autre série de 13 mouvements. On va faire 26 mouvements aujourd'hui. Alors, il y a des mouvements qui vont se répéter à certains moments, mais on va être en gros sur 26 mouvements. Ok, ça tient à peu près, c'est des répétitions de 30 secondes, de 20 répétitions en règle générale. Pour certains mouvements, ce ne sera que 10, et c'est un peu plus difficile. Donc en gros, on va faire environ 30-40 minutes à peu près. Donc, si vous êtes prêts, parce que moi je suis prêt, je boue, je suis en pétard complet. Allez, on se met, ok, on fait tourner les hanches, vous connaissez ça, ce mouvement? J'y tiens beaucoup et vous allez loin derrière pour retourner loin derrière et devant pour bien déverrouiller les hanches. Allez, on déverrouille bien tout. On va 10 fois d'un côté. Hop là. Et 10 fois de l'autre côté. Allez, c'est parti. Respirez bien. Il fait un temps de folie. Ça fait du bien. Et là, on entend les oiseaux le matin, c'est très agréable. Ok, tournez les hanches encore. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, ici, on fait tourner les épaules. On respire. On fait tourner vers le haut. Allez. Bien, vous êtes superbe. Allez, encore un peu. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, ici, on fait largeur des épaules et on descend de chaque côté. Ah, ça va tirer un peu et ça va déverrouiller. Vous avez dormi, vous avez passé une nuit agréable dans votre lit. J'espère que vous n'êtes pas couché trop tard. Le mat, c'est 1 heure du mat. Hein. 1 heure du mat maximum. Après, on est fracassé. Hein. Respirez bien. Encore un peu. On reste plus longtemps en bas. On descend. On descend. On descend. Et encore, on descend. Ok, ici, les hanches serrées. On ne bouge pas. Et on fait tourner. Regardez le logo ici, il bouge très peu. Voilà. Allez, on fait tourner. Tourner, 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 tourner. Encore 10. C'est bien ça. Super. Respirez. Wouh. Vous êtes au top. Encore, 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 encore. Ok, 10 squats. Comme ça, on chauffe bien ses genoux, ses cuisses, ses fesses. On serre le ventre, on met bien les mains devant comme ça. Ça permet de mieux travailler les abdominaux. Quand vous descendez les fesses loin derrière. Allez, encore 3 comme ça. 1, 2 et 3. Ok, ici, dernier mouvement d'échauffement. On lève, on tourne comme ça. On lève le genou, on tourne, on va descendre. On lève, on tourne, on redescend. Ok, ça va complètement ouvrir les hanches. Allez, les mains ici. C'est un mouvement qu'on fait en sport de combat, ça. Hop, 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 hop. Allez, encore. Encore. 3, 2, 1. Ok. La tête. Attention. Doucement. On fait bien tourner. Ok. Les amigos. Tess, salut Tess, salut Anna. Malinou, Maël. Ok. Michel, top. Préparez-vous les amigos, on est prêts. Go, 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 tous ensemble, c'est parti.
On fait planche au sol, active. Ici, on met les coudes et on envoie les jambes. C'est parti pour 30, comme ça. Allez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, et encore. 7, 8, 9, ok. Respirez bien. Vous êtes prêts, jumping jack. On en fait 30. Ici avec moi. On les garde, on y va. Respirez bien. 7, 10, 1, 15.
10, 15, 20. Hey, vous êtes bien là. On dirait des tissages. Encore 5. Ok. Super, respirez bien. Comment ça va? Laurent. Ouais, Guillaume. Super, Nono. Allez, on lâche pas. Ok, je vous montre. Exercice. On va faire le buzz. Comme si on appuyait sur un buzzer. Donc on a les jambes flex. On a les mains ici. Et on tape ici comme ça. Attention, il faut taper pendant 30 secondes. On tape fort et rapide. Avec moi. 5, 4, 3, 2, 1. Allez. 3. Fort. Ouais. Fort, fort, fort. 12. Plie un peu les jambes. Super, comme ça. Lâchez pas. 18, 19, 20. Encore 10. Ok, c'est bien ça, respirez bien. Ça va? On respire, on respire. Attention, on va faire des done-up. Qu'est-ce que c'est les done-up? Les done-up, c'est les 3 quarts de burpees. Donc on est parti pour faire 10 done-up. Et ceux qui sentent le courage, on monte à 15. Ok? 5, 4, 3, 2, 1. Comment on fait un done-up, je vous montre. Pour vous récupérer, c'est très simple. On descend au sol ici les mains. On envoie les jambes derrière. Ok? On ramène ici et on saute. Ok? Très facile. On descend, c'est comme une grenouille. On envoie les jambes derrière. On ramène les pieds et on saute. Vous êtes prêts? On essaie d'aller jusqu'à 15. Vous êtes chaud? 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on y va. 1. 2. 3. 4. Respirez. 5. Superbe. Allez. 1. Super. On lâche pas. Encore. Ouais. Encore. Allez, encore deux. Ok, récupérez. Attention. On récupère. Ça fait monter le cœur, hein. Le cœur il monte bien très vite, hein. Ok, respirez. On va faire mouvement au sol. Donc là on est parti pour 4 mouvements au sol. On va commencer par les abdos, ensuite des battements, ensuite planche sur le côté et ensuite les climbers. Ok, quand on aura fini ces 3, ces 4 derniers exercices, on fait une pause et on repart pour 13 nouveaux exercices. Ok, préparez-vous. Allez, au sol, allongez. Ici, comme ça, jambes un peu écartées. Je vous montre. Vous connaissez, les mains sur le ventre et on se relève sans descendre complètement. On garde une pression aussi abdominale. Avec moi. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti pour 30. Les mains sur le ventre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Ouais, vous êtes au top. C'est bien ça. 4, 6. Allez, encore. Ok. Respirez bien. Attention, on est parti pour les battements de jambes. Je vous montre. On s'allonge au sol, on met les mains sous les fesses. On lit les reins, ils doivent toucher donc toute la partie du bas du dos doit toucher le sol. Ok?
Ok, on peut se relever un petit peu comme ça. Jambes tendues et le mouvement, ça part des hanches. Jambes droites. Avec moi, 50, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Allez, 3, 5, 40. 10 derniers, vous êtes au top. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Pas mal. Respirez. Ça va? Respirez bien. Ok, un exercice qui va vous faire récupérer. On peut l'enchaîner tout de suite. Vous connaissez cet exercice. On se met comme ça une jambe le long de son corps. On se met sur le coude. On lève sa jambe ici. Ok. Vous êtes prêts? C'est parti, on lève 60 fois. Et on ne redescend pas beaucoup. Allez! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bien, ça, lâchez pas. Allez, jambes plus derrière maintenant. Allez, la jambe plus écartée derrière. Les 30 derniers comme ça, c'est bien ça. 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bien. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, magnifique. On respire bien ici. On se met comme ça, jambes tendues. Premièrement dans l'alignement de la jambe. Et après, on fera comme ça pour les 30 derniers. C'est parti pour 30. Et après, 30 là-bas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, magnifique. Vas-y, Michel. Allez, Tess. Maëlle. C'est bien, ça. Encore. Ok, 30 derrière, allez hein. 3, 4, 5, 7, 8, 9. Respirez bien. Voilà, les petits derniers avec moi, hein. 2, on compte ensemble, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, 60, magnifique. Respirez. Ça ralentit votre cœur de faire ce mouvement-là. On va faire des climbers. Les climbers, c'est quoi? C'est les mains comme ça, les jambes comme ça, et on va voir les jambes en croisé. Ça fait ça. Ok? Préparez-vous, il y a 30 allers-retours. Et après, on fait une grosse pause. Et on réattaque derrière 13 autres mouvements. Avec moi, mes amis. Vous êtes magnifiques. Allez, climbers, c'est parti. Les mains bien au-dessus des épaules. Le dos bien à plat, la tête dans le prolongement. On est prêt? Allez, c'est parti! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Allez, de la vitesse! 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok. Opa. Magnifique. Hey, petite pause. Respirez. Et on repart. Hey Nono. Alors, qu'est-ce qu'il me dit Nel? Nel, il sent que ses abdos vont sortir. Super. Ça va Nono, t'es au top. Auriel, super Auriel, merci beaucoup. Merci hein, pour vous. Hein. C'est gentil. Hein.
Ok, l'idée c'est vraiment pendant qu'on fait la pause, vous pouvez boire, prendre un peu d'eau, je vais prendre un peu d'eau d'ailleurs. À votre santé, que les bonnes choses. Alors, pendant qu'on fait la pause, toujours très important d'éviter de manger trop sucré le soir, de manger des féculents, ça alourdit, on ne sent pas bien, on est fatigué pour le lendemain, on ne dort pas forcément bien, surtout quand on est confiné comme ça. Donc idéalement, toujours un peu léger le soir en quart pour bien redémarrer son dimanche et après être bien sur la continuité de la semaine. La douche froide, comme je vous l'ai dit, la douche froide, c'est magique. Surtout, faites la douche froide. Encore une petite minute, même pas. Ok? Donc la douche froide le matin. Écoutez, ce matin, j'ai pris une douche froide. J'ai pris ma douche normalement, bien savonnée et tout, j'étais bien. Et après, j'ai descendu la température de plus en plus froid. Oh, ah, quel moment extraordinaire. Alors, ce que j'ai fait, je me suis pesé avant de me doucher. J'étais tout nu. Je me suis mis sur la balance, je me suis pesé. Je me suis pesé après la douche, je me suis séché. J'ai même pas envie de me sécher tellement on a chaud, en fait, après la douche froide. J'avais perdu quasiment 100 grammes. J'ai fait à peu près une petite minute, hein. J'ai pas fait très longtemps. Le top, c'est d'arriver à faire à peu près 2 minutes. 2 minutes, vous pouvez perdre jusqu'à 250 kilos. J'avais perdu environ quasiment 100 grammes. Hein. C'était magnifique. Ça fait un bien dingue. J'ai à peu près 80 grammes. Et ça, c'est fabuleux. Ça fait tellement bien. Et pour les cellules, on se sent léger, on se sent bien, le sang, tout circule. Ok. Alors, la pause est finie, on réattaque. Vous êtes prêts avec moi? On fait les grenouilles côté cette fois-ci. 13 exercices. Alors, je vous montre. Attention. Regardez bien. Les mains comme ça. Au lieu d'envoyer les jambes devant, on envoie les jambes sur les côtés. C'est parti pour 20. Ok? Avec moi. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Hoppa! Ça carbure. Ok. Attention, on fait squat danseur. On va mettre à l'intérieur des cuisses. Respirez. Je vais faire une petite pause. On est en train de faire entrer tout le corps. Toutes les parties du corps vont travailler. Attention, là, on traîne encore plus le dos. Alors, maintenant, d'abord les squats. On ouvre les pieds, les talons, c'est à la largeur des épaules. Les pieds sortent. On ouvre comme des danseurs. Les mains ici, et on descend 20 fois. On descend, on remonte. Allez, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, intérieur, 8, allez encore, ok, vous sentez? Préparez-vous, le fil conducteur aujourd'hui ce sera les push-ups, les pompes, c'est parti pour une petite pompe, vous pouvez le faire sur les genoux si vous n'y arrivez pas. Essayez quand même, faites des petites, c'est pas grave. Les mains comme ça, les pieds derrière. On se pose. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on y va. 10. 5 derniers.
ne voit pas bien. Voilà. Ok. Vous êtes prêts avec moi? C'est parti, il y a 10. 10 allers-retours. Avec le petit saut, avec la petite remontée derrière, avec le petit saut. On va devant en marche. Une pompe. Petit saut. Petit saut. C'est bien, c'est un 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ouais. Ça va? Alors, respirez, on va faire un mouvement au sol. Je vous montre. Ça fait monter le cœur, hein? Ok. C'est les toes to hand. Qu'est-ce que c'est que les toes to hand? Alors, c'est très simple. On a les bras rangés derrière. Et on a les jambes allongées qui se posent au sol et on envoie les jambes derrière soi comme quand on était petit. Ok, vous vous rappelez quand on était petit comment on envoyait? Ok, donc je vous montre. Les mains derrière, les jambes au sol, on envoie les jambes derrière. Allez hop, on envoie. Et c'est parti. Ok, vous avez compris? Avec moi, il y en a 10 comme ça à faire. N'ayez pas peur, il n'y a aucun risque. Vous arrivez ce que vous pouvez, si vous arrivez à toucher l'air, vous touchez, si vous n'arrivez pas, c'est pas grave. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on y va. Les mains derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, superbe. Hey, c'est bien ça. Magnifique. Respirez bien. Attention. Maintenant, exercice un peu plus compliqué. Je vais vous montrer, c'est les deck squats. Je vous montre. En gros, là, ça fait tout travailler, surtout là, vous avez vu, quand vous êtes prêt à ce moment-là, ça étire le dos. Alors, le deck squat, qu'est-ce que c'est? On descend en squat, on pose les mains, on descend ici comme ça, on met les bras le long du corps, on allonge ici, on ramène et on se lève. Ok? Donc, en gros, c'est le même mouvement que ce qu'on vient de faire. La différence, c'est qu'on, quand on ramène les jambes, on se lève. Ok? Vous pouvez vous aider de vos mains pour vous relever. C'est parti pour 10, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on y va! Allez, on y va! 1! Ouais. 2. 3. Respirez. 4. C'est bien ça. Faites ce que vous pouvez. Si vous n'arrivez pas à arrêter, vous faites une pause. 6. 7. C'est bien. 8. 9. Et 10. Hop là. Ça calme, hein? Respirez. On va travailler les abdos maintenant. Et les obliques. On est quasiment à la moitié de la dernière série. Respirez bien. Alors, je vous explique, on va faire des crunchies, des planches sur les côtés, des crunchs pour bien travailler les abdos. Je vais vous montrer. Ok, je vais mettre un peu plus par là. Ici, je vous montre. On est comme ça. On
se monte comme ça, on met la main sur la tête et on fait ça. On revient bien dans l'alignement et on repart pendant 30 secondes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Ah, ça défonce. Ça défonce. Wouh! Ça va? Ok, on fait l'autre côté. J'ai fait ça pendant 3 jours de suite. Pas de rien, j'ai fait une pause. C'est ça, parce que voilà, c'est la troisième fois, j'ai un peu plus, j'ai mal partout. Ok, préparez-vous. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 30. Wouh! Voilà! Ça va? Je fais tous les exercices avec vous, hein, vous avez remarqué. Hein. Je fais ça 6 jours sur 7. Hein. Je suis avec vous, je ne vous lâche pas. Je vous aime, vous êtes magnifiques. Respirez. Attention, on va partir pour des battements de jambes. Ok. Allez, je mets bien le téléphone. Battement de jambes. Franck. Ok. Comme tout à l'heure, main sous les fesses. Vous avez le bassin qui colle bien en bas, qui touche le sol. Pour que ça colle bien et ça touche bien le sol, vous passez mal au bas du dos. Vous remontez un peu ici. Vous pouvez mettre les mains sous les fesses ici. Vous êtes prêts, on va faire 50 battements. Jambes tendues, ça part bien les hanches. Jambe droite, avec moi. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on y va. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ici le mouvement, jambes toujours pliées, ok?
une main au sol, une main sur la tête. On cède du bras au sol et on tourne sur le côté. Et on va de l'autre côté comme ça. Ok? On alterne. Droite, gauche. En tout, on fait 30. Donc ça fait 15 allers-retours ou bien 30 d'un coup. 5, 4, 3, 2, 1. Allez! Vas-y, Maël! Tess! Nel! Michel! Super! Ben, je sais pas, vas-y, Nono! Allez, Fred! 5, 4, 3, 2, 1. Main sur la tête. Main au sol, on pousse et on tire. Allez, c'est parti! 1, 2, 3. Super, c'est un 30. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, ça rapporte 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, pas mal ça. Respirez. Vous êtes magnifique. Là, vous avez travaillé les obliques à fond. Ça, c'est à faire tous les jours. Ça, c'est un mouvement magnifique ça. Il faut bien travailler les obliques. Quand vous avez les obliques qui se renforcent ici, le ventre va rentrer. Très important. Ok, attention. On est parti pour deux derniers mouvements. Il y en a un qui va durer 3 minutes. Ensemble, on va faire du soin à la corde sans la corde. Ok? Et ensuite, on fait des squats bas. 20 squats bas, et on descend comme des bébés. Donc, on va commencer par la corde à sauter. Alors, je vais régler. Je remonte un peu le téléphone. Ok? Attention. Avec moi, les amigos. Préparez-vous. Les mains comme ça. Les deux pieds joints pour commencer et on va alterner. Allez, c'est parti. Je regarde. Allez, on y va. Allez, on saute, c'est bon ça. Ça fait drainer les lymphes. On lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas. Deux pieds serrés. Avec moi. Ça fait du bien ça. Pour ceux qui ne courent pas, c'est top. Respirez. Allez, encore, 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 encore. Attention, on a le dernier pied maintenant, un devant et derrière. Allez. Respirez bien. Toujours les mains comme si vous aviez une corde à sauter dans les mains. Voilà. Allez. Ça, vous pouvez le faire tous les jours, c'est magnifique. Respirez bien. Vous avez la corde à sauter dans les mains. Vous envoyez des tours de moulin avec les poignets. Allez, on lève les genoux maintenant. Respirez. C'est bien ça. Parfait. Respirez, on a une minute et demie maintenant. Quasiment, c'est ça. Allez, on continue, on lâche pas. Continuez, continuez, continuez. Respirez. Allez, deux pieds joints. Oui, vous êtes beau. Vous êtes magnifique. Vous êtes superbe. Allez, encore, 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 encore. Allez, on lève les genoux un peu plus haut maintenant. Allez, on lève, on lève, on lève. Toujours les mains comme ça. Ça travaille les pecs, les abdos, les épaules et les bras. Et c'est très bon. Ça relâche complètement le bas du dos. On lève bien encore. Super. Respirez. Allez, les deux pieds ensemble. On augmente la vitesse. Encore, 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 encore. Allez. Attention, rapide. 30 secondes. Respirez.
Et bien, lâchez pas, 15 secondes. Magnifique. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Canon, dernier exercice. Respirez. On est parti pour des squats bébés. Les squats bébés, je vous montre, vous récupérez. Jambes écartées à peu près, un peu plus large que les épaules. Vous voulez bien laisser passer le bassin. On descend. Quand on descend à ras du sol. On se retrouve avec les mains comme ça en fait. Ok? Je vous montre. Attention. Voilà. En gros, ça fait ça. On descend les fesses ici. Vous voyez, ça touche quasiment le sol. Les mains ici comme ça. On remonte pas à 100% et on descend. Vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1. On est parti pour les 20. Allez, 1, 2, 3, 4. Et ça détend le dos. Avec les bras bien allongés devant, ça tire le dos, c'est excellent. 9. 10. Allez, encore. Allez, deux derniers. Ok. Wouh. Hey, vous avez assuré. Vous avez assuré. Lâchez pas, ça fait 43 minutes qu'on est à fond. On va faire des petits étirements pour bien se relaxer. Déjà, on va relâcher un peu toutes les tensions du corps en traînant la tête. D'abord, on monte très haut et on descend. On monte et on descend. On descend très bas. La nuque, on monte très haut, on tire, on descend. Maintenant, niveau respiration, pour récupérer, la meilleure façon, c'est de respirer avec le ventre. Vous gonflez le ventre pour prendre de l'air, et vous creusez le ventre pour sortir l'air. C'est comme un ballon qu'on gonfle. Le ventre se gonfle, il y a plein d'air qui rentre, et quand ils sont l'air s'en va, ils creusent. C'est la même chose. Quand vous faites ça, vous augmentez de deux fois vos capacités respiratoires. Vous prenez deux fois plus d'oxygène. Et quand vous sortez tout, vous envoyez plus de gaz carbonique. Et donc du coup, vous êtes moins oxydé. Et donc vous récupérez mieux, le cœur se ralentit. L'autre avantage de cette respiration, c'est que ça calme. Ça permet de bien se relaxer, bien de déstresser, de dormir. Et l'autre chose, c'est que ça muscle votre ceinture abdominale. Donc vous avez toute la partie ventrale qui est parfaitement musclée. Et donc ça, c'est très bon, bien avoir bien un ventre bien musclé. Et plus vous allez avoir les abdos, plus vous allez avoir un ventre musclé, mieux vous allez digérer. Ça va bien masser vos intestins, votre estomac et vous allez avoir une meilleure digestion. Continuez. Ok. Ici, on squatte un peu les bras. Voilà. On fait ça en réveil musculaire le matin. Ici, les épaules. On enlève les tensions. On tire comme ça. Voilà. On tire, on enlève les tensions. Vos muscles. Ici, on fait circuler le sang. Voilà. Ici, on masse. Et on part vers le bas du dos. Et on part vers le sol, la tête en bas, les genoux un peu pliés. Et vous laissez tout tomber, la nuque tout est retombée. On tire vers le bas. Fermez les yeux. Voilà. Vous remontez doucement. Bras en bas, la tête en bas, le dos rond, les yeux fermés. On remonte doucement.
on s'ouvre, on met ses mains derrière, on serre, et là, on tire son dos. Allez, tirez, très bon ça. Et pour ceux qui sont capables de descendre et d'envoyer les bras loin derrière, moi je suis pas capable d'aller loin. Ah. Essayez d'envoyer vos bras. Il y en a qui arrivent à avoir les bras loin devant eux. Encore. Essayez bien derrière, tirez. Ça fait beaucoup de bien. Une dernière fois au sol. Vous avez été superbe, c'est une bonne séance, vous êtes magnifique, bravo à tous, canon, merci à vous, j'espère que vous allez passer une belle journée aujourd'hui. On se voit demain, donc sur Instagram, tous les lundis, tous les mercredis, tous les vendredis à 18h30, le dimanche à 11h30, sur Instagram, donc c'est al.spirit. Et vous pouvez retrouver les vidéos sur YouTube, pour ceux qui ratent les cours ou qui veulent refaire les cours, évidemment. Vous pouvez les retrouver sur YouTube. Salut Nanou! Hey Nanou! Fred! Vous pouvez retrouver sur YouTube, vous retrouvez les vidéos sur al-spirit. Donc c'est ma chaîne YouTube, il doit y avoir 42-43 vidéos. Donc al-spirit, et sinon vous me retrouvez tous les jours... le lundi, le mercredi, le vendredi à 10h30, à 18h30 et le dimanche à 11h30. Je vous aime, passez une belle journée, vous avez été magnifique. Super.